Alors on est avec Samuel Borne, capitaine de l'équipe de Suisse des U19, à la veille du premier match contre l'Angleterre. Déjà quelques questions par rapport à la place, qu'en penses-tu? La place elle est toute petite, l'éclairage il n'est pas super, mais le revêtement du terrain il est pas mal, moi j'aime bien. Ça ressemble beaucoup à la glace, donc les roues elles crochent bien, donc ça arrive bien. Toi qui joues à Givisier, qui a l'habitude de jouer en salle, tu vas pas être, on va dire, trop dépaysé par rapport à ce que tu trouves ici? Non, mais à Givisier c'est pas trop la même chose, c'est plus dur, mais ça va aller. D'accord. Quelques mots peut-être sur la préparation. Moi, j'ai pu constater en intégrant le groupe là que vous avez l'air d'être une bonne équipe de copains. Comment s'est passée cette année de préparation? On a une bonne ambiance. Bah, d'abord, on s'est tous découverts, on a appris à se connaître. Et puis maintenant, on a un bon groupe, on a une bonne ambiance. Et puis, Parlons un peu du jeu là. On sait que c'est toujours un petit peu Allemagne, Suisse. L'Angleterre un peu en retrait, également les Autrichiens là, qui ont un début de match difficile actuellement contre l'Allemagne justement. Quels sont un petit peu tes pronostics? Moi j'espère une finale contre l'Allemagne, de toute façon c'est les meilleurs, donc c'est l'équipe à battre. Et puis c'est chaque match on ne doit pas les prendre à la légère, et puis c'est pas gagné d'avance, donc on va tout faire pour aller en finale. D'accord. D'un point de vue personnel en général, vous intégrez l'équipe nationale des U19, ensuite il y a la potentialité éventuellement aussi d'être sélectionné pour les actifs. Comment est-ce que vous prenez cette opportunité d'être sélectionné? Moi tout d'abord c'est prendre du plaisir, et puis après on verra par la suite si je serai sélectionné ou pas. D'accord, on vous souhaite bonne chance pour ce tournoi. Merci. Merci beaucoup.